Salut à tous, c'est Rudy. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Delroy. Et salut les gens, c'est Frost. Salut, c'est Lyon 82. Salut à tous, c'est Rudy 1345 et on se retrouve aujourd'hui sur le 27e épisode du Silence Anneaux, le tirage. Et nous étions dans la cour de Minas Tirith à défendre de façon tout à fait incroyable face aux hordes de orques et de trolls surtout. Sans pitié, aucune. Ils voulaient nous tuer, hein. Ils étaient vraiment méchants. Heureusement qu'Idrial avait vraiment des assurances vie à chaque tour. Bref. Chargement. Minas Tirith la tour. Minas Tirith la cité blanche. Gandalf le propre qui nous attend. Pour beaucoup trop de moments épiques. Il est bon de vous revoir ici. Oui. Votre force va devoir se diviser pour arrêter l'envahisseur. Retrouvez-moi plus haut dans la cité quand vous en aurez terminé. Bonjour, c'est une bataille. Laissez-moi me joindre à vous, mon ami. Mon marteau a envie de chair de troll. C'est une hache, pas un marteau. Une hache beaucoup trop placée. Passage. Ah! Où est-ce qu'il est le combattez, combattez jusqu'au dernier, battez vous pour vous dire, on peut les droits ou quoi? Ah oh, oh ça. Bonne nuit. Je vous cache de la bonne nuit. Le coffre au fond. Je crois que ça a tué l'émulateur. Non. L'émulateur est pas en forme, mon gars. Oui, on va prendre une petite balle de flèche. Tire des militants sur que le résister et un petit peu de la tour. Du coup, deux attaques à court associé. Ah oui, c'est vrai. C'est une pierre qui fait faire ça. Prochaine diminuant l'esprit des mais bon, bref. Ouais, je vais suffire largement. Ils ont pu appeler ça frénésie, genre comme tous les autres. Je me suis dit même pouvoir suffire ce genre de conneries. Ah non, ça suffit pas. C'est encore mal. Et il mange la contre-attaque. Et le pilage lourd est raté. Pour faire une frappe beaucoup trop fluide pour eux. Oh, quel truc, c'est incroyable! La frappe qui frappe des styles. Du coup, tu peux continuer de frapper de façon fluide. Hein, j'ai même pu balancer un coup de la brunelle. Histoire d'avoir les chevaux de l'axe dans les plus brefs délais. J'aimerais que ce genre de choses allait durer plus longtemps.
décédé. Ce qu'on va faire, c'est que Adot va éliminer le mec avec ça. Nous, on va essayer de noyer le poisson. Ah bah d'accord, le mec s'en est sorti. Ils ont été... leur niveau il a été augmenté ou quoi? Est-ce qu'ils sont tous en train de tabasser Hydrial là? Contre-attaque Adot, te laisse pas marcher sur les pierres. Peut-être que j'ai un peu sur le coup aussi. Hop. Ça passe pas assez tôt. Une petite rafale de flèche sur les deux, histoire de... Pas si ça marche quand c'est le personnage. Ça donne rien. Ah lol, ça l'a tué. Bon, et ben voilà. Et les ghosts. Une cube du... Oh! Il a sauté en l'air. Tu te gardes dans les environs ou pas? Alors j'ai fait des mythos pour rien. Voilà. Bon bref. Ah bah tout le monde a gagné son petit niveau. N'empêche pas de rester à 500 PV. En force. Adod. On va augmenter la force d'Adod. C'est parti. Toi t'es inutile, on va t'augmenter ton esprit. Voilà. Marwen, on va continuer à t'augmenter ton esprit aussi. On va les rendre plus intelligents, ces gars. Et Oden, tu sers à rien, on va t'augmenter ta constitution. En termes de bardage, on est vu pour les gosses, mais c'est possible qu'on en ait pour tous les autres, en fait. Capuche. Non. Rien. Liberator, t'as forcément un truc. Bon, Liberator, il a rien. Personne n'a rien. Bon, et déplaçons un peu Hydrial, ça fait longtemps. Ça fait peut-être pas longtemps, mais... Une boucle des anciens, en mitrille. Bon, attends, mais elle est pas bien! Héritage lié aux forges des premiers âges. Mais ça lui baisse sa force! Je préfère un truc qui date d'une époque oubliée. Un truc encore plus vieux. C'est quoi, avant de faire n'importe quoi, je vais balancer quelques objets sur les ghosts. Ah merde, ça m'a déjà tout. Et du sous-sourcing. Ah, rien. Voilà, bon, il y avait un troll aussi, c'est bordel, dans le film, on va rebooter tout ça, et puis ça va faire. Ouh, pas lui! Ah non, 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 pas lui! Avec ce putain. Pas le deuxième, attends. Putain, vous pouvez me marquer, c'est insupportable! Pas besoin en fait. Enfin bref. Attends, si il arrive à l'autre, il va mettre le bouclier de l'enfant, ça va pour 10 000 ans. Donc... Merci.
crois qu'elle est hors de jeu. En gros, tu dégages. Non, non, les gars, c'est il prend trop mal, mon gars. Il a un genou. Oh, pas la mort. Je préfère jouer beaucoup trop. Je joue beaucoup trop. Tire des militants sur cet idiot. Et une rappale de flèche sur ces idiots. C'est pété? Mais c'est totalement pété! Non, non, c'est ces colères du durin qu'il faut faire! Enfin bref, ça peut être tué aussi. Allez, dégage! Je préfère toujours les animations mort des Eurocats. Ah, les gosses ont gagné son niveau, tout va bien. Un peu de constite, ça te fera du bien. Bref. Un cimetière et un truc pour Morwen. Personnage fan service. Un cimetière de lune d'or en argent. Une lame de conception elfique unique blessant en profondeur. Ah, attends, c'est un truc qui est pas vieux. C'est dégueulasse par contre. C'est moche. Morwen, cuisseur refusé du pouvoir des Méharas. Du coup, c'est. Merde, j'ai oublié de lui mettre celui-là. Cuisseur. Je vais lui mettre ça. C'est mieux. Cocon s'en branle puisque je l'utilise pas. Enfin bon. Je suis le meilleur. Bon, bref. Tcha. Je me fous de trop de vie. Et alors, on est pas bon, qu'est-ce qui se passe? Le boss le plus difficile, je prends l'autre. Les flèches sommeil, ce qui serait totalement débile. Je
17 000. Ça me fait pas plaisir. Je voulais je vais revenir à autre. Scope, pure cicatrice, décide les épines négatives de groupe, une liste totalement mais empêche d'agir. C'est un truc dans Skyrim ça. Être valeureuse. Un mode ciblé peut agir juste après. Bon alors j'en étais ouf. Attaque à distance, on peut changer de truc. Voilà. Et fallait pas le tuer, espèce de débile. J'aurais besoin de temps pour remettre tout le monde en état. Bon, bien que je peux le faire maintenant, mais c'est plus rapide, ça fait gagner des points. Bon, l'autre, t'as gagné des épaules et armes. Excellent. Oh, un grand épique. Épique. Nombreux sont ceux à s'être soumis à la volonté du Seigneur des Ténèbres, mon ami. C'est quand à présent, vous savez comment il comptait vous utiliser. Vous deviez ouvrir les portes, tuer et répandre la ruine dans la cité. Vous deviez être l'ombre du Seigneur des Ténèbres parmi les vôtres, un instrument de terreur et de mort. Terroriste ? Vous deviez brûler la citadelle et couper l'arbre blanc. Lui-même, tu fais tout. Tout ce que vous avez accompli en chemin et tout ce que l'on vous a accordé était destiné à brûler l'ombre du mal qui s'étendait sur vous. J'ai vu en vous une partie de mon espoir pour l'avenir de l'homme, estompé par le mal, mais pas encore corrompu. Vous avez surmonté les ténèbres. Vous voici libre. Oui. Oui. Enfin bref, on va continuer de gagner des points d'esprit. Hein. Hop. Ombre héroïque, mais que la résistance à l'ombre, elle est terrible. Alors, Bardam, adopte à gagner des trucs, des épaulettes. Merde. Ouais. Vraiment qu'on lui change de casque, ça va bien. Une annonce de la citadoule. Un acier plaqué de bronze. J'avais vachement du laiton ton bronze quand même. Hein. Bon bref. Voilà. Comme toujours. T'as pas utilisé ta merde là. Ah oui, c'est vrai, il fallait que je donne des points à lui. C'est ça que j'ai Tommy, voilà. Alors du coup, on peut plein de flèches sommeil qui va baiser tout le monde, plus faire un tir débilitant pour être. Beaucoup trop mal en plus, mon gars, c'est cheaté. Si c'est une caractéristique spéciale de son mec ou quoi. On va se chier. Avec ça, mec, je peux le farmer tranquillement. Les points d'esprit avec les réels sans que personne n'en fasse chier. Non ! Oh la salope, ça fait chier. Mais écoute, hein. Faut se faire mal, hein. Ça. Ouais.
ta dextérité. Parce que s'il avait touché, c'était fini. Bon, bref. Mais maintenant, sur deux de nos mecs qui sont à genre un PV. Faut qu'on les remette des PV. Où sont les Athélas fraîches? Là, c'est bon. Plus. Plus Farsing. Voilà, fiole des aides, on a un max. Putain, ça, on se donne tout en un goût. Et du sous-forcing, voilà. Et on est chaud pour partir. Oh putain, des portes des bibes qui sont passés avant, c'est pas le bordel! C'était un moment où ils se défendaient encore bien. Oh, c'est mes deux jours de mer. Toujours pas de point de sauvegarde, mon gars. J'attends de tout faire comme ça. Sans faire des erreurs. Ah, si je vois un point de sauvegarde. Ah, oui, c'est vrai. N'importe quoi les mecs. Ok, 300 le tuer, ce serait plus grave. Je vais relaisser Grial de taper. Ah, tu vas tuer Grial cette fois. Bon bah tu l'as tué, Grial, putain. Ouais, bon, je vais chercher le sauvegarde et puis tout le monde sera prêt. C'est pas grave. Ce jeu est relativement facile en fait, pour les deux. À peu près de balader en faisant ce que tu veux. Mais alors, des fois il y a du phare hein, parce que les ennemis sont beaucoup trop forts. Et alors, tout va bien, mon gars. Nous avançons. La chose qui nous retient, ce sont les animations. Un peu trop longues. On peut regarder ici. Et on va bientôt atteindre les 75% du jeu, ouais. Voilà, mur externe, 74%, et on reprend le voyage. Et on va faire un peu de nettoyage. J'espère qu'on va trouver un casque pour Adot quand même, parce que j'ai vraiment marre d'avoir cette tête de con. Un nom d'autorité de Numénorien de 1. Autorité! Respect qu'il obtient dans l'anneau, mon gars. En charisme et la puissance 20€. Ah, cette photo, tu peux l'utiliser, l'esprit de mes couilles. Ouais, c'est parti. Invocation des papillons. C'est des papillons séchés. Tout
fait attaquer par des textures moches. Des flèches qui s'élèvent au moins. Ah, il faut genre, il y a des flèches. C'est marrant ça. Alors, je... Ah non, mais je. Oui. Oh putain! Au pied du mur! Éloignez cette chose! Tirez avec la catapulte! Nous allons essayer de les retenir pendant que vous détruisez la tour! Tirez avec la catapulte! Quoi? Non, mais je veux pas jouer! Morwen et Auden, allez vous faire foutre! Ils sont nuls! Non, je peux pas changer, je suis obligé de me taper ces noobs! Les démonte la date. Eh mais regarde, ils prennent du 12 000, ils sont pas morts. Comment je vais faire? Il est quand même presque mort. Tu crois que ce con il rate? Toujours dans le dernier geste. Vas-y, écoute rien avec ce mec. Vous pouvez continuer de drainer de la vie, laisse peut-être un peu. Quoi? Nel, le combat il a recommencé, mais c'est quoi ces conneries? À deux endroits différents en même temps, flèche sommeil. J'imagine bien qu'il faut utiliser. Est-ce que tu prends les tirs débilitants aussi, on sait jamais. C'est marrant que tu les prennes. Lui en fait. On a fait tout de tabac ce studio. Et en plus. Mettons le coup de. Ah, ça pue ta gueule! Blablabla, ça sent vraiment trop mauvais. Les gars, prenez-y! Les gars utilisent flash sommeil. Même animation que ces attaques. Tu t'es mis du temps sur le nazi. Bah, en même temps, qui n'ont aucun sens. Ah, c'est le retour des Auden. Le mec est de... C'est parti, colère de toi. Oh, mais quel nul, putain, c'est chaud. En plus, il m'a attaqué, c'est pas visé, cet idiot, mon gars. Il rate deux coups sur trois. Au moins il est sommé. C'est un truc qui
qui calme ou pas? Le respect de Marc. Violent. Vas-y, refais-le pour voir. Au l'air du pont Marc. Et ce combat qui n'a aucun sens. Mais putain, mais qui c'est qui gère ce combat? Ah, j'ai plus rien. J'ai un perce de force. Beretor, c'est le seul à pas subir cette attaque, espèce de débile! Il s'en branle! Il n'en a rien à foutre, Beretor! Au début, tu vois que son animation elle était pétée. De faire dodo. On va te mettre le dodo tout seul. Tu vas combien de temps? J'espère qu'il va pas falloir le tuer là parce que ça va prendre 10 000 ans. Donc, si je me coupe à chaque fois, je vais se retaper les mecs. Sommeil, ça marche tant que le mec on me fait pas chier. Je vais faire ouais, c'est ça me fait débile. On peut faire une petite tir débile sur Jean-Louis. On continue à jouer tout seul, à moins qu'il faille juste tuer les larmes en fait. Attends, je vais buter les larmes pour voir s'il faut. C'est juste ça. T'as été débilité, tu fais quoi là? T'es cru où?
il est endormi, il rate pas son attaque. Non, ça vous continue. Chose à faire, genre pas jouer. Ouais, je dis rien parce que bon, c'est globalement c'est ça. Foncez dans la cité! Dépêchez-vous! Un Nazgûl! En avant! À la porte! Mais putain, mais je voulais pas faire ça, moi! Je voulais continuer les combats, j'ai pas tout nettoyé! Ce ne sont pas les murs de pierre et les lames d'acier qui permettent de mesurer la puissance d'un royaume. Ah bon? La volonté et le caractère sont ceux qui la définissent en temps de crise. Les hommes se tournent vers leur chef pour y trouver le meilleur d'eux-mêmes, leurs espoirs et leurs rêves. Mais l'ambition et la cupidité peuvent entraîner la chute des plus grands, et dans leur déchéance, tout leur peuple partage le danger. Dans sa cupidité, je crains que Denethor ne soit allé trop loin, au point de sombrer dans les ténèbres. Croyez-vous que les yeux de la Tour Blanche sont aveugles ? Oui. J'en ai vu plus que vous ne savez. Ne clignerez pas devant ce rôdeur du Nord. Vous n'avez en aucun cas le pouvoir de refuser le retour du roi, intendant.
fais ce que je veux. Les rênes du Gondor sont à moi. Il n'y a personne d'autre. L'intendant a échoué. La destinée du Gondor repose sur nous. D'ailleurs, si. C'est assez marrant parce que, à la fin, Faramir a fini avec Éowyn. Et Éowyn devient plus ou moins reine du rang. Alors, si Aragorn crève sans gosse, Faramir sera plus ou moins roi du Rohan et roi du Gondor. Enfin, et intendant du Gondor. Je peux dire pareil. Non, c'est pour atteindre la putain de. Sauvegarde. Ah! Oui! J'ai la sauvegarde! Je l'ai! Et voilà! C'est baisé le jeu! Bon, par contre, je suis dégoûté, j'aurais voulu farmer plus! Mais je pensais pas que c'était par là qu'il fallait avancer, je pensais que c'était de l'autre côté. Bon, ben, c'est terminé 345. Bisous à plus, on se retrouve dans le prochain épisode.